Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit, comme vous avez vu dans le titre aussi, avec le unboxing en collaboration avec la marque Le Clic. Et je suis super contente. Je pense que ça se voit aussi. Je suis super contente parce que, bam, on a ça à la maison. Je suis vraiment super contente. On va voir exactement aujourd'hui la presse. Le Clic, c'est une presse automatique. Du coup, il presse toute seule. Il n'y a pas besoin qu'on reste à côté et tout ça. Et ça, c'est vraiment génial. Je vous mets une petite vidéo, mais toute petite, 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 avec le déballage. Parce que tout ça, c'était dans un énorme carton. Je vous montre le carton, mais le déballage, j'ai fait avec l'aide de mon mari. Parce que c'était impossible pour moi. Il est vraiment lourd. Ça pèse un peu. Et comme je suis bloquée de dos, c'était impossible de faire ça. Je vous montre tout de suite juste le carton vide. Et après, on va voir exactement qu'est-ce qu'il fait la presse et tout le reste. Du coup, la presse, il était ici. Voilà. Même vide, il est vraiment lourd. Et à l'intérieur, on a encore un énorme carton dans lequel il était la presse. Du coup, franchement, au niveau du emballage, il vient très, 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 très bien emballé. Il n'y a pas raison qu'il se casse, rien du tout. Parce que même à l'intérieur, toute façon, je vous mets le petit vidéo dans la grande boîte encore une fois. On a plein, plein, plein de protections. Des protections comme ça qu'ils étaient partout à côté, comme ça la presse il arrive vraiment très 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 bien protégé. Et ça, c'est vraiment génial. Déjà la presse comme ça, il est vraiment très 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 joli et très élégante et vraiment sublime. J'adore, j'adore. C'est pas la première presse que j'ai vue, c'est pas la première presse que j'aime. J'ai déjà la Cricut, vous savez très bien, mais c'est totalement une autre chose cette presse, parce que c'est une différence énorme. Celui-là, il presse automatique, du coup, il n'y a pas besoin qu'on reste à côté, qu'on met une petite pression qui s'appresse comme il faut. Il fait ça tout seul et ça, c'est vraiment génial parce que nous, on peut faire quelque chose à côté. Il n'y a pas besoin qu'on reste vraiment à côté de la presse. Du coup, ça, c'est vraiment super et c'est un point positif pour lequel je voulais absolument cette presse. Voilà, il était sur ma wishlist. Et d'ailleurs, j'ai encore des petites choses de leur boutique qui sont sur ma wishlist. Je veux bien aussi la grande presse pour les thermos et pour les gourdes et tout ça. Parce que vous savez très bien que j'ai déjà deux petites presses pour les verres. Mais je veux la grande pour les gourdes aussi. Il est sur ma liste. Et aussi, quelque chose vraiment très génial, c'est que sur cette boutique, on peut trouver une machine à découpe qu'il fait, j'ai entendu qu'il fait les mêmes choses comme la Cricut par exemple, mais c'est beaucoup beaucoup moins cher parce qu'il c'est environ de 250 €, quelque chose comme ça. Du coup, ça aussi, franchement, je veux bien tester parce que j'ai la Cricut, ça fait maintenant je pense 2 ou 3 ans de quand j'utilise la Cricut et je veux bien voir la utilité de l'autre aussi. Du coup, il est sur ma wishlist aussi et j'attends mon anniversaire pour avoir tout le reste. Voilà, là on va parler de cette presse. Je vous montre tout de suite tout ce qu'il y avait dans le colis. Et comme ça, après, on va voir la presse beaucoup, beaucoup plus près. Déjà, avec le colis, on a un tapis comme ça, en téflon, qu'il est exprès pour utiliser avec la presse. Et il est super parce qu'on peut utiliser tout le temps. Il n'y a pas besoin qu'on jette des choses comme ça. On va mettre notre projet avec le vinyle thermocollante ou qu'est-ce qu'on veut utiliser. Et après, on va mettre, parce qu'on peut, avec cette presse, on peut bien sûr faire la sublimation aussi. Et après, on va mettre le tapis comme ça en téflon. C'est exactement comme un tapis cuisson, sauf que c'est pas la même matière et on peut utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment génial. Déjà, on a cette tapis avec la presse. Et après, moi, j'ai eu encore quelques petits cadeaux.
ici aussi. Du coup, je vous ramène un peu plus près pour mieux voir tout ça. Et je vous montre exactement tout ce que j'ai à l'intérieur. Là, j'ai ramené mon petit cutter aussi. Et on va voir tout de suite tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Déjà, on va commencer avec les deux colis noirs qui sont là. Comme d'habitude, je vous mets dans la barre de description aussi le lien de la boutique et le lien de tous les articles que je vous montre aujourd'hui. Et aussi, ils ont beaucoup de choix au niveau des vinyles et tout ça. Et ils ont aussi plein de matériels qu'on peut utiliser pour la sublimation et pour personnaliser. Comme les tasses, comme les gourdes, plein de choses. Là, on a un vinyle à transfert au flex, au thermocollante, au, il a plein de noms différents, mais c'est du vinyle transfert chaud, ça veut dire qu'on utilise pour les textiles, c'est pas du tout pour les verres ou des choses comme ça, c'est pour les textiles, pour les tote bags, pour les trousses, pour les t-shirts, on peut utiliser sur le bois aussi, pour tout ce qui on peut imprimer avec la chaleur. Et là on a la couleur noire, je vous pas exactement, mais à l'intérieur je vois que c'est la couleur noire. Je sors tout de suite et je vous montre. Et on a, c'est un rouleau qui a une taille de 30,5 cm sur 1,80 m. Du coup, on a vraiment de quoi faire. C'est un bon rouleau et oui, c'est le noir. De toute façon, on va avoir encore 2-3 vidéos parce que je veux tester les vinyles de leur marque. Mais pas que, on va tester aussi du thermocollante de la marque Tech Warp. On va utiliser aussi de la marque le vinyle que j'achète d'habitude sur le comptoir de Flex. Et aussi que j'achète sur Amazon. Comme ça, on voit exactement la presse avec plein de matières différentes et des marques différentes. Et je pense qu'on va tester aussi quelques-unes de la marque Cricut aussi. Comme ça, vraiment le test, il est, en tout cas avec toutes les marques que j'utilise d'habitude, au moins comme ça, vous avez le test complet. Et vous savez en fonction de quelle marque vous préférez acheter parce que d'habitude, c'est le prix qui joue beaucoup. Voilà. Là, on a exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, waouh, c'est un rose très joli, légèrement satiné. Voilà, c'est vraiment très joli. Je ne sais pas si c'est vraiment un rose gold, je pense que c'est plutôt un rose bien satiné. Voilà, mais il est trop beau, franchement trop joli cette couleur. Hâte de réaliser des t-shirts ou des tote bags avec. Ça, c'est vraiment trop sympa. Après, on va voir quoi? On va voir dans la petite boîte ici. Parce que je suis très curieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et c'est quoi qui fait cette bruit comme ça? On dirait que je suis un petit enfant. On dirait que c'est, je suis ma fille. Quand il reçoit ses cadeaux ou quand il vient le Père Noël. Je fais exactement pareil. Exactement comme un enfant. Mais je suis très curieuse et hâte de voir tout ce qu'il y a ici. Déjà, quand j'ai déballé la presse avec mon mari, j'ai été choquée. Je vous dis honnêtement, je fais waouh. En fait, quand on regarde les vidéos, on voit déjà qu'il est super joli, élégant et tout ça. Ça change beaucoup par rapport des presses avec la manche comme ça. Moi, j'avais cette presse avant. Mais j'ai vendu parce que j'étais pas du tout contente comme il pressait. Et aussi parce que ça faisait mal au bras de faire ça tout le temps. Mais franchement, celle-ci, il est juste l'aspect comme ça, il est 10 fois mieux. Après, on va voir exact aussi comment on va utiliser. Mais juste l'aspect comme ça, il est vraiment 10 fois mieux, même plus. Là, dans la petite boîte comme ça, on a des accessoires. On a 4 à l'intérieur pour échenier, du coup pour enlever tout le vinyle, parce qu'on peut utiliser pour le vinyle classique aussi. Mais bien sûr pour le thermocollant, on enlève tout ce qu'on n'a pas besoin. Là on a une petite, on peut dire comme une poubelle, parce que là on va mettre tout ce qu'on n'a pas besoin. Moi j'ai l'autre que j'utilise tout le temps, il est où? Il est là je pense. J'ai celle-ci, comme ça, que je clipse sur le bureau. Mais celle-ci, en fait, on peut mettre sur le doigt. Comme ça, il est vraiment à côté de nous, à portée de main. Et on va voir tout de suite. Hop, la boîte, on va mettre à côté. Du coup, on a
la petite poubelle. Moi, j'appelle ça petite poubelle. Après, vous appelez comme vous voulez. Une petite raclette comme ça. Ça, vous pouvez utiliser, bien sûr, pour le scrapbooking aussi. Le kit que je vous montre là, si vous voulez, vous pouvez utiliser très bien pour faire les albums. Ça, c'est vraiment... moi, j'utilise les kits comme ça beaucoup, beaucoup pour mes albums. Ça, pour bien coller, étaler la colle. J'utilise tout le temps. Vous savez très bien que j'ai une de la marque We Are que j'utilise tout le temps. Et le kit comme ça aussi pour enlever tout ce qui c'est... en fait, la pellicule de double face et plein de choses comme ça. Même pour faire les petits trucs, on met les attaches parisiennes et tout ça. Du coup, on a plusieurs utilités si on a des kits comme ça à la maison. Même pour moi à l'instant, je peux dire que c'est indispensable. Les kits comme ça, je les adore. Du coup, si vous cherchez pas trop cher, vous trouvez sur la boutique Le Clic. Là, je viens de visser parce qu'il faut les visser. Et là, on a l'accroche que j'utilise le plus, c'est celui-là. Ça, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est très simple à tout attraper. Même la pellicule de double face et tout ça. Et le deuxième, toujours, il faut le visser. Celui-là, j'utilise tout le temps pour faire les trous quand je mets des flippettes dans les albums. Voilà, du coup, vous savez maintenant qu'on peut utiliser très bien. Et moi, ça fait longtemps que j'utilise des choses comme ça pour le scrapbooking. Et suivant, je reçois des messages où t'as acheté ça, où t'as acheté ça. Du coup, maintenant, vous savez que vous trouvez sur la boutique Le Clic aussi. Voilà pour cette petite paquet avec les outils. Maintenant, on va voir le prochain parce qu'on a encore deux. On va essayer d'ouvrir ça sans abîmer rien du tout. Et à l'intérieur, j'ai un rouleau. Et je pense que, oui, c'est toujours du thermocollant, mais cette fois-ci, c'est du bleu. Toujours un grand rouleau, même j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros par rapport à celui-là. On va voir tout de suite si c'est la même quantité. Oui, c'est la même quantité. C'est la même quantité, sauf que cette fois-ci, il vient comme ça. Et je sais que c'est du thermocollant et pas du vinyle qu'on met sur les verres, tasses et tout ça. Parce que derrière, il est comme ça. Il n'est pas gradé et d'habitude, c'est marqué... Et on connaît quand c'est du vinyle et quand c'est du vinyle thermocollant. Et le dernier paquet, parce qu'on a plein de petits cadeaux. Et ça, c'est vraiment génial. En tout cas, moi, j'adore quand on a des cadeaux. Là, on a quoi? Ah, là, on a des tapis. Là, on a des tapis pour la machine à découpe. J'étais en train de parler au début quand j'ai dit qu'ils ont une machine à découpe aussi. Et on a des tapis. Voilà. Là, hop, et avec une raclette aussi, une spatule derrière. Du coup, là, il me faut la machine aussi. Non, je rigole. Je veux prendre la machine aussi, pas pour tout de suite, parce qu'il est sur ma liste des cadeaux. Du coup, hop, on a ça. Ça, toujours, on peut utiliser très bien pour le scrapbooking aussi, comme on peut utiliser pour. Le vinyle, pour la machine à découpe, pour plein de choses, cette spatule aussi. Et on a trois tapis là. On a exactement comme j'ai les tapis pour la cricket aussi. On a le light qui colle pas trop, du coup il est très bien pour tout ce qui c'est vinyle ou même pour les papiers et tout ça. Après on a celui là qui c'est le standard, le vert, qui colle un peu plus. Et après au final on a le strong, celui-là on peut utiliser avec du tissu et plein de matières différentes parce qu'il a une capacité beaucoup, beaucoup, pour ça il s'appelle strong parce qu'il colle beaucoup plus fort par rapport des deux. Voilà, ça c'est génial. Des neveux tapis ça sert toujours parce que moi j'ai plein, mais je les abîme vraiment super vite parce que j'utilise beaucoup. Du coup ça c'est vraiment génial. Là on va voir la machine. On va vite fait ramasser tout qu'on n'a pas besoin pour voir exactement la machine. Ça, on va laisser ici. Voilà. Hop. Et on va voir tout de suite. Déjà, il vient avec une prise. Je vous montre tout de suite. Voilà. Parce que là, il n'y a pas besoin qu'on voit Angela. C'est là l'objet de cette vidéo. Déjà, il vient avec ici une prise
parfaite pour nous parce que c'est une prise européenne. Du coup, on peut utiliser facile. Il n'y a pas besoin d'adaptateur, rien du tout. Il n'y a pas besoin qu'on change nous la prise et des choses comme ça. Ça, c'est bien. Je veux brancher tout de suite. Mais avant, j'enlève ici le petit opercule parce que je déteste ça. Du coup, j'enlève tout le temps en première. Et là, on a pour les boutons qu'on va allumer. Du coup, là, on a le bouton pour allumer la température. Ici, pour mettre les minutes. Et là, c'est pour... là, c'est automatique. Et aussi pour le setting, on peut mettre des paramètres directs dans la presse. Et là, c'est plus, minus. Et là, c'est pour faire descendre pour bien presser. On va mettre tout de suite dans la prise. Et après, on va voir exactement tout qu'on va allumer. Voilà, là, on va appuyer. Et c'est bon, il s'est allumé. Du coup, on voit là qu'on a les températures et les secondes. Là, il est en train de monter en température. Mais là, par contre, si on veut changer, on appuie juste ici et on va mettre plus. Par exemple, il était à 100, maintenant on met à 110. Là, on appuie pour les secondes. C'était à 20, mais nous, on peut mettre, par exemple, on va mettre 30 secondes. Voilà. Et comme ça, c'est bien programmé. Et là, il va monter tout seul en température jusqu'il arrive à 110, comme on a nous mis. Là, le bouton, il est rouge parce que la température, il n'est pas encore... la température que nous on a choisi. Une fois que la température il est bien, là ça va être vert. Ici c'est pour descendre. Voilà. Là il a pressé. Et après il remonte. Et voilà. Comme ça on peut utiliser. Ici on va tirer. Voilà, plutôt comme ça. Comme ça, ça se voit un peu mieux. Là on va tirer et ça sort. Ici, notre plein de travail, on peut dire, parce qu'ici, on va travailler. Ici, on va mettre les tote bags, les t-shirts et qu'est-ce qu'on veut personnaliser. C'est bien parce qu'il vient direct avec un petit tapis comme ça, exprès pour la chaleur. Ça, c'est vraiment bien et c'est très facile, franchement. Ça, même mon petit-fils, il peut faire parce que c'est vraiment très, très, très facile. Effectivement, il glisse tout seul, voilà. Même avec un seul doigt, du coup ça glisse tout seul. Ça c'est vraiment très bien. On peut utiliser très facile. C'est vrai, au début quand on le reçoit, il est lourd. Mais une fois qu'on a posé sur la table où on veut, on ne va plus bouger. Et après c'est vraiment très 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 facile à utiliser. C'est vraiment exactement comme un jouet. Et une fois qu'on a mis ici par exemple le t-shirt ou qu'est-ce qu'on veut, on va mettre le papier sur le t-shirt. Et après... on va mettre à l'intérieur et juste on descend. Voilà, il a pressé. Et après, une fois qu'il il a fini le temps qu'on a mis, bien sûr quand il est à la bonne température, il va sonner et il s'enlève tout seul. Il va monter tout seul. Allez, on va laisser même s'il n'y a rien du tout. Juste pour vous montrer qu'il va se faire après tout seul. Encore 11, 10, 9, allez. Et la température aussi, il a bien monté. On est à presque... voilà, il est vert parce qu'on est à 110. Et là, les secondes, c'est bon. Et ça dépresse tout seul. Du coup, on risque pas, si on travaille à côté, on risque pas qu'on a oublié le t-shirt à l'intérieur. Et il s'abîme. Non, pas du tout, parce que il est déjà soulevé tout seul. Ils sont enlevés tout seul. Du coup, il n'y a plus rien qui presse notre produit pour le abîmer. Et ça, c'est vraiment génial. Et voilà, ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les filles. Moi, j'adore. Je suis vraiment super contente. C'est une pépite, c'est vraiment une pépite cette machine. Et je suis super contente qu'il est à la maison. Vraiment super contente. Du coup, n'oubliez pas que je vous mets dans la barre de description le lien de tous les articles, le lien de la boutique aussi. Et si j'ai un code promo, je vous mets le code promo aussi. Ça c'est tout, on se voit dans la prochaine vidéo pour avoir les tests et hâte de tester ça avec vous. Du coup, on va tester plein de matières différentes pour voir exactement comment il réagit avec plein de matériels, des matériels différents et des marques différentes. Plutôt c'est ça, des marques différentes. Voilà, je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.